Éducation. L'ASAMA, une méthode spécifique. La direction de l'éducation préscolaire et de l'alphabétisation du ministère de l'Éducation nationale a remis officiellement à la plateforme des associations chargées d'ASAMA et post-ASAMA ou PACA plus de 4000 unités de kits scolaires. Les élèves exclus du système éducatif formel pris en charge par les associations affiliées à la PACA et ceux des autres associations encore méconnues en seront les bénéficiaires. Ayant largement dépassé l'âge d'entrée à l'école, ces élèves sont pris en main avec l'association scolaire d'appoint pour les magages adolescents ou ASAMA, qui est une méthode spécifique. En majorité, âgés de 12 à 18 ans, ces adolescents en détresse n'ont jamais fréquenté l'école ou ont été victimes de la déperdition scolaire pour des raisons socio-économiques, familiales ou coutumières. La cérémonie de remise de kits scolaires s'est déroulée à Mbouchmandak jeudi dernier, au siège de l'association Sanjach, un des membres de la PACA, accueillant à elle seule 94 élèves issus de familles nécessiteuses. La méthode ASAMA passe par l'alphabétisation, des cours d'une durée de 6 mois à 1 an pour permettre à ces élèves de passer les épreuves du CEPE. Enfin, des formations professionnelles s'en suivent.